on a de plus en plus d'entreprises qui vont intégrer en fait des talents en design et en tant qu'atout stratégique, donc vraiment comme des assets puissants de la stratégie de l'entreprise. Grâce à ces techniques de design thinking, on permet de remettre du sens en fait. Le design, cette démarche, en tous les cas cette méthode, est très importante parce qu'elle va aller chercher au plus profond de soi-même, mais aussi dans toute l'entreprise, ce qui peut donner du sens à la marque, à l'histoire, et comment on peut se transformer. Notre objectif, c'est de travailler sur des sujets complexes, de favoriser la collaboration, la co-création, de travailler sur l'alignement des acteurs et des objectifs, et finalement de travailler sur des solutions innovantes. On a développé de nouveaux modèles, on a travaillé en agile, on a fait du design thinking, on a transformé complètement notre façon de concevoir nos applications avec des tests utilisateurs tout au long du projet. La prise en compte du design, du thinking, de l'expérience utilisateur a fait en sorte qu'en interne, Elcel redevient une marque dont on est fier. Les collaborateurs en agence, au travers de l'application mobile, n'hésitent plus à la proposer aujourd'hui parce qu'ils en sont fiers. Le design, pour nous, d'abord, il est intégré dans les équipes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, il est au service des utilisateurs. Et pour moi, il a vocation à la fois à travailler sur l'amont, donc les besoins utilisateurs, le moment T, c'est-à-dire la conception fonctionnelle, et puis l'aval, comment on traduit cette conception fonctionnelle en réalité. C'est trois gros piliers qui sont extrêmement importants. Mettre l'utilisateur au cœur, garder cette notion de cohérence et se diriger plus vers de l'impact plutôt que de la fonctionnalité. Il y avait quand même l'attente de réinventer l'expérience utilisateur, de revoir un petit peu le produit et de remettre les clients et les utilisateurs de Mythic au centre. C'était très sympa d'interagir avec d'autres praticiens du design thinking, pouvoir échanger sur ce sujet et aussi en savoir plus sur ce que les grandes organisations font, l'impact que le design thinking a sur leurs organisations.